Salut à tous, c'est Lady de la Zombie Factory et donc je suis en compagnie de Maître Yoda, comment vas-tu? Salut à tous, ça va très très bien. Alors on a des petites infos pour vous, il y a eu une fuite sur les sites américains encore une fois, une fuite par rapport aux prochaines DLC sur Call of Duty Ghost, donc on vous livre en exclusivité les informations. Et donc voilà, je vais te laisser nous en parler un petit peu plus, Yoda. Voilà, tout à fait. Alors en fait, c'est des gens qui ont eu un problème, une espèce de message d'erreur suite en fait à la mise à jour de l'après WXP en fait, si vous voulez. Et ils ont eu accès en fait au contenu des développeurs directement dans le jeu. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, voilà, ils ont accès au menu développeur. Donc standard hardcore clan versus clan, et il y a le menu développeur qui est venu s'ajouter. Donc ils sont rentrés dedans, voilà, ils ont fait les curieux, ils sont rentrés dedans. Et on voit qu'il y a différents modes de jeu. Donc le premier c'est test quotidien Infinity Ward 6. Alors, test quotidien, c'est peut-être les trucs du développeur, là, c'est peut-être les tests du développeur. On Voilà, n'aura peut-être pas peut-être. ça Oui. dans les prochaines DLC par contre. Oui, ça va peut-être, ou peut-être que ça sera un mode de jeu avec un autre nom, on ne sait pas. On voit que c'est jouable de 6 à 12 joueurs. À voir. Après, il y aura donc, comme d'habitude, hein, le Mosh Pit, pack de cartes 1, donc le mélange de modes de jeu hein, sur les nouveaux packs de map uniquement. Donc pour le pack de map numéro 1, là il y aura la même chose pour le pack de map numéro 2. On voit que c'est jouable de 8 à 12 joueurs, donc il y aura. Voilà. Joueurs dans les sélections, 24 joueurs en ligne, 23 000. Donc apparemment, il y a quand même 24 personnes qui ont réussi à passer ce petit Ils ont bug. fait les curieux, tout à fait, ils ont fait les curieux. Et Hein. ensuite, donc il y aura un nouveau mode de jeu apparemment, donc c'est pareil en développement, Infinity Ward 6 développement et XP des squads, donc ce sera vraiment un mode de jeu pour XP les squads en fait, notre escouade. Et donc apparemment ça sera un mode de jeu uniquement dans Prison Break, avec un nombre plus variable de joueurs, donc on voit que c'est jouable de 2 à 12, donc il y aurait peut-être du 1 contre 1 jusqu'à du 6 contre 6, voilà. C'est assez intéressant, j'espère qu'on aura un peu plus d'infos dans les jours à venir. Il y aura peut-être un petit communiqué d'Infinity Ward vu que ça a fuité, on ne sait pas, Ah, faut ils ont pris une suivre un peu boulette. sur Twitter. Ah, c'est une sacrée boulette là. On a eu les révélations des maps aussi. Ça, je te laisse les présenter, Lady. Alors du coup, la personne qui a eu ce petit bug en a profité pour essayer de lancer quelques parties et donc on voit qu'il a réussi à accéder au menu des maps et on voit le nom des maps. Donc par rapport au premier DLC, on aurait une map qui s'appelle Swamp et une map qui s'appellerait Boneyard. Donc évidemment, on n'a pas d'image des maps, on n'a pas réussi à avoir ça. La personne a fait des captures déjà, c'est assez cool de sa part. Swamp qui veut dire gronder, il me semble. Ah bah écoute, très bonne traduction, cher ami. Et on voit aussi LUA menu Gaza, donc on voit bien que c'est des tests et que c'est encore à l'état de fabrication, parce que évidemment le titre de la map, le nom de la map ne sera pas comme ça. Mais bon, on peut supposer que ce sera une map sur Gaza, enfin un peu dans cette ambiance-là. Et on voit le retour de la map Dome, donc juste en dessous de la map Red River, on peut voir Dome, donc on peut supposer que c'est la map Dome de. Alors c'est MW3, je crois, c'est ça? Tout à fait, la map d'MW3, la plus petite map hein, de MW3. Voilà, bah moi en tout cas ça me fait plaisir, c'est une map que j'adorais, surtout pour les petits 1-1 au sniper, j'espère que ça te laisse pas de mauvais souvenirs. Oh. Et il y a la map Rumble également, alors ça c'est toujours pour la première DLC. On sait pas en fait quelle map sera dans quel DLC. Donc D'accord. voilà, il y aura. Voilà. Et en fait, Rumble ça veut dire submergé. Et pour finir, il y a le retour de la map Freefall, donc on ne sait pas si la personne avait précommandé et avait la DLC, auquel cas il avait accès à la map Freefall, ou alors si la map sera en téléchargement libre à l'avenir, ce qui ne m'étonnerait pas, puisque c'est quelque chose qu'ils nous ont fait pas mal de fois dans les précédents Call of. Donc voilà. Tout à fait, et la personne est tombée sur deux autres maps, donc il n'a pas pu faire de capture, une map nommée Batterie, et encore une autre map, donc il a pas. En fait il a pas pu noter le nom, elle s'appelait LUA Menu, il se souvient plus de la suite, donc c'est encore une autre map. Donc il y aurait 8 maps en tout, donc dans les deux packs de map, 8 maps en multi, donc 4 packs par pack de map. Et donc dont un pack apparemment avec Freefall pour ceux qui ne l'auraient pas précommandé. Voilà. Et on ne sait pas s'il y a une map en mode extinction ou pas. À mon avis, il y aura une map, donc une cinquième map en mode extinction. Donc 4 maps multi plus une map extinction dans chaque pack de map. De toute façon, comptez sur nous pour vous livrer les informations dès qu'on en sait un petit peu plus. On est au taquet des news. Et restez sur notre chaîne également. Il va y avoir plein de petits gameplays. Tout à Puis fait. on vous fait de très gros bisous à tous et on vous dit à bientôt. À bientôt tout le monde. Gros bisous.